cette signature de convention entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et MTN Bénin donne désormais plein pouvoir à Spastel Bénin SA d'exercer librement sur sa plateforme Yellow Video Plus, une application donnant accès à une multitude de contenus multimédia. Cette convention, précédée par une décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, permettra à Spastel Bénin SA l'exploitation de services de médias audiovisuels distribués par le réseau mobile MTN, par bien sûr ajout de certaines chaînes régulées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à son application Yellow Video Plus. C'est donc l'aboutissement heureux de nos processus qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui. Ce processus permettra le développement de l'audiovisuel de notre pays. Il donnera une visibilité aux artistes béninois et à la culture béninoise. Ce processus permettra aussi la formation des professionnels des médias de l'audiovisuel du Bénin. Très émue, la directrice générale de MTN Bénin exprimant sa satisfaction et ses remerciements à l'endroit du président Moriti et l'ensemble des conseillers pour la concrétisation de ce projet. Une occasion pour elle de rappeler la vision de MTN Bénin à travers son application Yellow Video Plus. Today, thanks to Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en intégrant nos télévisions nationales en direct, ce qui permettra à tous nos abonnés, où qu'ils soient, de bénéficier de l'information et du divertissement et des contenus locaux. L'information, comme elle dit, est le pouvoir. Donc nous allons montrer la culture béninoise au monde, comme disait M. le Président. Et les recettes qui seront générées, les revenus qui seront générés par ce partenariat avec les chaînes locales seront partagés avec elles et permettront à ces chaînes de pouvoir investir dans leurs activités et de pouvoir faire face à la concurrence des éditeurs internationaux. And withstand strong competition from international publishers. Le président de l'ARAC, Rémi Prosper Moriti, au terme de cette cérémonie, souhaite plein succès à ce partenariat gagnant-gagnant scellé entre son institution et le réseau mobile MTN Bénin. Ceci pour le développement de la nation. Oui.